بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحن جونا أديس عاصمة دولك إثيوبيا وحن كجرنا أن وفتي وزيرك التعليم تاع يحفظها جارك مدن مصطفى محمد محمود وهو جامين يو وكقيم جليا شركة وزير ذا التعليم تاع دولك إيجاد دولك أن أرنتاسي وحي أس وحي أن كسعتها arintii in shirki weena ee Djibouti aan ku qabanay waqtiga waqtigiisii sanadkii hore ee la doonayay in lagu in isbeddel lagu sameeyo xagga siyaasadda tacliinta oo la geliyo in siyaasad jidida oo ku salle ciyaalka ku nool dalalka in gobolka inay meeshay doonaan ka soo jeedaan inay xeer u leeyihiin in iskoolka iskool tayo leh oo ogolaata ay madartay ay helaan sida la ajligeed waxaan doonayaa inaan xasuusiyo in arintaasi waxay ka timiday in raygay wuxuu ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Omar Gelle markii uu tagay September New York uu tagay sanadkii 2016kii uu yiri Djibouti way u soo jeedaa inay hirgeliso siyaasadda la doonayo in qaxootiga ciyaalka iskoolka qaxootiga in caafimaadka qaxootiga aan la haddii toole aan dhabar ka saarno sida la ajligeed waxa aan maadartay in wasaaradda tacliinta ay garatay inay iskugu yeedho iyadoo la kaashanaysa iyagaad la kaashanaysa inay iskugu yeedho dalalka jaarka si aan ugu wada tashano waan ka wada tashanay waxa laga soo saaray baaqa Djibouti baaqa Djibouti wuxuu markaa ka yimiday siyaasaddaasi ee madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayuu ka yimiday waanan hirgelinay maantana waa sanadkii labaad hadiis baan joognaa hadiis baa lagu qabtay shirka waa laga sheekaystay si loo hirgelin lahaa baaqa Djibouti markaasi waa wax taariikhiya waa wax wanaagsan waa waxaan doonayno in madatay ciyaalka Djibouti jooga xaqii doonaha ka soo jeedaane ay helaan iskool tayo leh oo wanaagsan. Une importante délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustapha Mohamed Mahmoud, prend part aujourd'hui à la deuxième conférence, aux travaux de la deuxième conférence des ministres. Une importante délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle prend part aujourd'hui aux travaux de la deuxième conférence des ministres de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation chargé de l'intégration des réfugiés dans le système éducatif national. Cette deuxième conférence est la suite logique de la première conférence qui s'est tenue à Djibouti au mois de décembre de 2017 pour pouvoir harmoniser les politiques d'éducation dans le cadre de l'intégration des réfugiés, des personnes déplacées et des migrants. Cette initiative est née de l'engagement du président de la République, M. Ismaïl Omar Gelle, qui, lors de l'Assemblée générale en septembre 2016, avait positionné Djibouti à l'avant-garde et initier, engager notre pays dans une nouvelle politique d'inclusion. Cette politique d'inclusion, le ministre de l'Éducation nationale l'avait engagée avec ses pairs de la sous-région en collaboration avec l'IGAD et c'est de ce fait qu'il en est résulté la déclaration de Djibouti. Cette déclaration aujourd'hui est à l'œuvre dans tous les pays de la région et portera sur le système national d'éducation qui vont intégrer les réfugiés dans leurs écoles. Nous sommes fiers aujourd'hui de souligner que cet engagement du président de la République a créé une dynamique au niveau régional et même continental parce qu'au cours de la prochaine session de l'ONU, la question de l'intégration
de réfugiés dans le système éducatif sera à l'ordre du jour. Et c'est en ce sens que la délégation avait participé à ces travaux, avait participé aux débats et aux discussions qui se sont engagées pour réussir ce challenge. Très bien. À l'issue des travaux de la deuxième conférence interministérielle des ministres de l'éducation de la sous-région, il en est résulté un appel à l'action pour pouvoir assurer et garantir la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti. Et c'est une excellente initiative que nous adoptons. بسم الله الرحمن الرحيم تساكونا أدسابا إرغيتنا أتيابيا عاصمة لاي توكلي جيبوتي مقاسنين إن ديكلاراسيونيو رفجه الرويو دبو مريه دايلو إيقاد ترى أتثن بارو هدلا إسكول حكي جيتا إسكول غار جيتا فردينتا إتا ديكلاراسيونيو 2017 جيبوتي مدينيه نيني أساكونا إيقاد منسراتا إن كيكبوك إدقيتي مكا تو ديكلاراسيونو راح لكسيني كتبنا تلسانا هنين دفينا سيدي حيرو غرح سكتي أسا قبا كالتهي تو كليني بارهو كردش رفاي تبريتو وزارتها كردش رفاي جيبوتي الدولتي هبا اسمعنا مرقيل لي كادونا أبان على هرك يفكني هني كادونا كردش رفاي نبارهو كردش رفاي هنا